Bonjour et bienvenue dans les vidéos de formation 3.0. Dans cette vidéo, je vous propose de faire ensemble le tour de Course Networking, qui est la plateforme que nous utilisons pour nos formations. Dans cette vidéo, nous allons faire un tour un peu généraliste et dans d'autres vidéos à venir, nous allons nous concentrer sur les différentes composantes de cette plateforme. Alors tout d'abord, vous voyez que nous sommes dans une chaîne qui s'appelle CNEU Academy. Alors une chaîne, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la représentation visuelle de votre école, de votre centre de formation. Et donc c'est ici que nous allons trouver à la fois des réseaux de participants et des cours. Alors si vous regardez l'apparence générale de cette plateforme, ici au milieu, vous avez un fil d'actualité qui ressemble terriblement au fil d'actualité de Facebook ou de LinkedIn. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'en fait, ceci est un réseau social d'apprentissage, non pas un LMS classique, mais un véritable réseau d'apprentissage dans lequel on va trouver d'ailleurs différents réseaux. Et par exemple, ici, je vais trouver un réseau qui concerne uniquement les ambassadeurs de MOOC 10, donc une formation que nous avons créée il y a quelques années. Ici à gauche, vous avez l'ensemble des cours. Et par exemple, si je clique sur Créer votre formation mixte, eh bien, on va entrer dans les cours. Voilà le premier module. Donc je découvre mon environnement d'apprentissage et puis mon projet, mon public et moi. Et vous voyez qu'il y a différents onglets qui permettent effectivement d'entrer au sein de cette formation et d'en visiter les différentes parties. Dans le menu du haut, vous voyez poste, sondage, événement, email, classcast. En fait, chaque participant peut créer des billets, des sondages, des événements, envoyer des emails et aussi organiser une vidéoconférence à partir de ClassCast. On y reviendra en détail dans une autre vidéo. Et vous voyez que par exemple ici, sous cette tâche, eh bien, il y a différents billets qui ont été postés soit par le formateur, soit par des participants. Et donc chacun peut s'exprimer sur cette plateforme. Alors si on regarde le menu du haut, ici on est dans la page d'accueil, donc maison, home. Vous pouvez également consulter la liste de vos cours ici, dans le menu du haut. Si vous recherchez une personne, un cours ou un réseau, bien vous pouvez le faire ici, ou le contenu d'un billet, vous pouvez le faire ici en tapant ce que vous cherchez. Vous voyez qu'il y a des filtres qui vous permettent de choisir une région, une institution, etc. À côté, vous avez votre photo et votre nom d'utilisateur qui vous conduisent au portfolio. Donc c'est un e-portfolio, c'est une page personnelle que vous conserverez toute votre vie, non pas seulement pendant la formation, mais vous restez propriétaire de ce e-portfolio. Et ce e-portfolio, vous voyez qu'il est composé de différentes sections. Là aussi, on y reviendra en détail. Le portfolio est aussi un outil très intéressant lorsque vous participez à une formation parce que vous pouvez y stocker toute une série de documents. Ici, par exemple, vous voyez MOOC 10, cette formation dont on parlait tout à l'heure, j'y ai stocké des documents. Et ces documents, vous pouvez les rendre visibles pour tout le monde ou uniquement pour vous-même. Et donc, s'il y a des documents que vous avez créés pendant la formation ou bien des choses qui vous paraissent intéressantes et que plutôt que de les télécharger sur votre PC, vous préférez les garder là, vous pouvez également les stocker ici. Vous pouvez également montrer au monde extérieur certaines de vos réalisations. Si par exemple vous avez participé à des formations en tant que formateur ou si vous êtes expert dans un domaine, vous pouvez effectivement exposer tout ça. Donc ici j'ai par exemple listé certaines de mes conférences, de mes publications, etc. Et puis si vous allez tout au fond, bien là vous allez voir votre réseau, les personnes avec lesquelles vous avez communiqué le plus souvent au cours de vos formations, au cours de vos visites sur cette plateforme. Alors continuons notre petite visite. Ici, vous avez Rumi, qui est un assistant d'intelligence artificielle. Là aussi, je reviendrai sur ceci un peu plus tard. Alors là, vous avez un calendrier et vous voyez qu'il y a un point rouge. Ça veut dire qu'il y a des événements à venir dans mon calendrier. Et donc, quand j'ai ouvert mon calendrier, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'événement. Mais par contre, le 6 novembre, lundi prochain, il y a l'ouverture d'un module, et puis le 8, une première classe virtuelle, etc. Et si je clique sur première classe virtuelle, eh bien je peux aller directement dans un billet qui me propose le résumé de la classe virtuelle et le lien pour y accéder immédiatement. Ici, j'ai une enveloppe. En fait, cette enveloppe, c'est un système d'emailing. Donc, je peux composer, créer des emails, mais je peux également
voir les emails que j'ai reçus de participants. Mes notifications, quand un participant s'inscrit à un même cours que moi, je reçois une notification. Et si quelqu'un me suit, puisque sur le portfolio, on peut également suivre d'autres participants, eh bien, je reçois aussi une notification qui me prévient que quelqu'un me suit. Et puis, dans la roue dentée, si vous avez effectivement des commandes qui vous permettent de changer la langue, par exemple, de votre plateforme, vous pouvez également, ici avec la liste Se souvenir d'eux, eh bien, marquer certaines pages sur lesquelles vous voulez revenir souvent ou bien que vous trouvez intéressantes et que vous voulez continuer à visiter par la suite. Alors, sécurité et confidentialité, c'est effectivement les paramètres d'affichage de votre page et paramètres de notification, mais vous décidez vous-même des notifications que vous voulez recevoir. Ça peut être tout, mais ça peut être simplement des notifications qui viennent de votre formateur ou uniquement des participants de votre groupe, etc. Donc voilà un peu la présentation générale de ce système. Vous voyez que ce n'est pas un LMS, mais un vrai réseau social avec différents outils comme le portfolio, les réseaux et les cours qui vous permettent effectivement d'avoir une expérience beaucoup plus globale et beaucoup plus immersive qu'avec un simple LMS. Mais nous verrons toutes les composantes en détail dans d'autres vidéos à venir. Merci pour votre écoute.